Et il y a certaines femmes ici dehors que ils ont fini avec. Donc, tu vends la maison de ton mari comme cela à 10 millions. Salut à tous et bienvenue encore si je suis une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maximum. Ah oui, Jessenius est de retour. AKA Miss Congo International est de retour avec un nouveau Congo pour vous. Restez juste là. Aujourd'hui, nous allons parler de cette vidéo virale qui circule sur les réseaux sociaux depuis le matin. Et en tant qu'une Miss Congo, ça, j'ai aussi dit, ah, pourquoi ne pas mettre ma bouche dedans et aussi vous faire connaître que voilà, même le monsieur en question nous a demandé de partager, oui, que nous allons partager cette vidéo au maximum pour que certaines femmes voient. Une femme se lève, maman, pour vous demander d'abord que, quand vous-même là, avant même de parler, quand vous regardez la construction, si là, vous regardez, même si ce n'est pas encore fini, quand vous regardez vous-même la maison, si là, si quelqu'un vous vend ça à 10 millions, vous allez acheter. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Si ce n'est pas que toi, l'acheteur aussi, tu es un vrai ndem, ou bien tu es un vrai FM là, hein? Comment est-ce que toi-même tu peux voir une maison déjà presque finie comme cela? Tu achètes à 10 millions. Il y a certaines femmes qui, nanana, comme ton mari a dit dans cette vidéo, comme on dit souvent là. Donc lui, il vit à la diaspora. Le voilà alors qu'il fait un retour pour aller chez lui qu'il avait commencé. Donc, regardez, non? Il arrive seulement, il trouve quelqu'un, mais c'est qui? Tu fais quoi chez moi? Hey, j'ai acheté cette maison à ta femme. Depuis quand? Comment? Et où? Et combien? C'est de là, on lui dit que sa femme a vendu cette maison à 10 millions. Il dit seulement le terrain, quand il a acheté le terrain, c'est là. C'était à 9 millions. 500 000. Et il ne veut même pas parler comment il allait payer 500 000 pour quoi, fondation de quoi. Payer les petites choses et sans parler comment il a dépensé pour construire cette maison qui n'est pas encore finie. Que seulement la porte, là, les portes en fer, là, ça coûte combien d'abord? Que toi, l'acheteur, tu me dis que tu as payé la maison à ma femme à 10 millions. Hey, la famille! On dit souvent qu'il y a certaines femmes ici dehors qui, avant de les épouser, maman, et passez-les d'abord à la machine. On dit qu'un homme qui doit réussir doit épouser une femme bien. Pour qu'un homme réussisse, pardon, c'est d'épouser une femme bien. Donc, malheur à toi si tu épouses une femme qui n'est pas bien. Ah, tu ne dois jamais réussir. Tu dois rester sur place. Tu dois rester et rester et rester. Une femme qu'aime, maman, le genre de femme, c'est ta. Même si tu n'as pas fait l'école, hein, même si tu n'as jamais vu les quatre coins casino de l'école primaire, hein, maman, tu dois quand même avoir une sagesse que voilà cette maison. Si le terrain coûte déjà 9 millions 500, tu dois réfléchir que bon. Mon mari a dépensé d'abord combien pour mettre cette maison comme celle-là, même seulement les portes comme il nous montre là, pour pouvoir vendre cette maison, même si un homme t'a fait quoi, toi-même la femme, tu vends cette maison que toi tu n'aurais pas besoin de la maison au futur ou bien tes enfants. Donc quand le mari est rentré, les yeux se sont ouverts. Il a dit quoi? Impossible. Il ne peut pas rester calme. Que le monde entier doit connaître que sa femme a vendu sa maison à 10 millions. Alors, là, il doit faire comment? Parce que la maison est déjà vendue. Hey, la famille, oh! On dit souvent qu'il y a les WFO ici dehors. Donc, la maison est déjà vendue à 10 millions. Donc, comme je vous parle, là, le propriétaire, le nouveau propriétaire a déjà les papiers, les bateaux, tout de cette maison déjà achetée. Et vraiment, celui même, le papa qui a la maison rentrée de la diaspora maintenant, il trouve que c'est quelqu'un d'autre qui a déjà acheté sa maison. Il doit faire quoi? Hey! Maman, oh, ça c'est plus que quoi? Donc, alors, si là, lui-même, il est dépassé. Il marche, il fait les vidéos, il dit, publiez-moi ça.
partagez-moi ça. À l'heure, cela, je ne sais plus quoi faire. Donc, vivant à la diaspora comme cela, vous ne connaissez même pas comment on fait même pour avoir 1 euro. Mais vraiment, il y a certaines femmes africaines qui... Non. On ne veut même pas savoir si le monsieur t'a fait quoi. Même si je suis à quel PB avec ton monsieur. Parce que c'est que la majorité des femmes qui font ça, la bientôt, ils vont venir dire, ah, j'ai entendu qu'il mougouillait cette femme en Europe. J'ai voulu le payback. J'ai voulu faire ceci pour que ça lui fasse mal. J'ai voulu vendre sa maison à 10 millions. Donc, on sait déjà, on connaît déjà le scénario là. Même si un homme t'a fait quoi? Une maison et que tu as déjà les enfants avec lui. La maison, c'est pour les enfants. Même si l'homme ne te donne rien, c'est ce qu'il ne peut pas aussi donner à ses enfants. Il ne peut pas laisser ça donner à ses enfants, pardon. Hein? Tu as quel courage de voir une maison comme ceci? Ah, madame, non. Toi-même là, tu as... Donc, non. Tu as saccagé les couloirs. Ah. Donc, ton mari nous dit qu'il a acheté cette maison, le terrain, pardon, à 9 500 000. Seulement le terrain avant d'aller faire le quoi, 500 000. Donc, cela est déjà à 10 millions. Donc, pour voir une maison comme ceci, la pan, tu te dis que c'est 10 millions seulement. Ya, maman, il y a des femmes ici sur terre, ta. Yo, on peut faire ça à son mari, ta. Yo, même si tu n'as pas vu les 7 coins cardinaux de l'école primaire, tu dois quand même être sage que nous aussi, on multiplie comme cela, on fait comme cela. S'il a déjà acheté le terrain à 9 millions, 500, il a dépensé 500 000 pour faire quoi, le titre de quoi. S'il a déjà fait comme cela, avait dit que non, je ne peux même pas vendre cette maison, même si c'est à 20 millions, même si c'est à 30 millions. Ya, c'est infâme. Et on va vous mettre, ou quand on commence maintenant à partager, vous allez dire que on ne peut pas se mêler de nos problèmes, on ne peut pas se mêler de nos sujets, on doit se mêler de nos sujets. Comment que vous, les femmes, vous ne voulez pas, hein? Les hommes aussi, avant d'épouser une femme, il faut la passer à la machine, parce qu'il y a certaines femmes ici, ok, je vous assure, ça ne vaut pas la peine de les amener chez vous. Comment est-ce que tu dois épouser une femme? Tu restes à la diaspora pour travailler, hein? Si c'est très facile, venez aussi travailler, non? Venez travailler si c'est très facile. Hein? Quand on a dit que non, travail à la date soit comme ça, tu vois 1 euro de quelqu'un. Je dis, si tu pars au supermarché, surtout dans la ville que moi je suis, dans le pays que moi je suis, tu pars au supermarché pour acheter quelque chose. Hein? Si ton argent, si tu dois payer 10 euros et que tu as 9,99 euros, 1 centime, tu n'as pas. Hein, maman, on ne te vend pas. Ça, c'est clair, ça, c'est sûr. Donc, ne pensez pas que, oh, c'est comment. Il dit bien que si tu vas acheter quelque chose, je sais pas comment en Afrique, tu dois dire, madame, tu dois discuter le prix. Oh, madame, pardon, non, retire 500, retire 300. Il dit bien, si tu vas acheter quelque chose de 10 euros. Non, 10 euros, même, c'est même beaucoup. Allons seulement sur 1 euro. Si tu vas acheter quelque chose de 1 euro, et que peut-être tu as 99 centimes, qu'il n'y a pas 1 cent là, maman, oublie, on ne te vend pas. Personne ne doit te... Tu dois te mettre en ligne là-bas, tu ne dois voir personne qui doit sortir 1 centime là et te donner que maman, prends-tu complet ton argent là pour que ça fasse 1 euro. Puis elle dit bien, tu dois rester là-bas, tu dois te tourner, regarder la ligne que mais... Parmi toutes ces personnes qui veulent acheter ici, la personne ne peut me donner même 1 centime. Je dis personne, tu dois rester jusqu'à toi-même, tu dois aller remettre ça et prendre ce que ton agent peut acheter. Donc quand je vois les femmes africaines, que les maris sont peut-être à la diaspora, ou bien peut-être que nos les familles, on vous envoie de l'argent au lieu de bien utiliser cet argent, vous dites que ah comme il est en Europe, il doit envoyer l'autre, non. N'est-ce pas? Si vous voyez la manière dont vos frères africains, je parle comme ça des femmes qui font ça, vos frères africains qu'un travail du côté cela juste pour mettre la nourriture sur vos tables, non, vous allez dire que oh papa pardon, ne m'envoie même plus l'argent là. Yeah, même si tu aimes l'argent que comment, non maman, vendre une maison comme ceci à 10 millions t'as, tu t'as assoiffé maman. Yeah, partagez moi cette vidéo. So how can you sell a property like this? Please come put the video on me. How can you sell a property for 10 million naira, big boy. This is my property that my wife sold for 10 million naira. After I built 4 flats on it, I bought only this land for 9.5 million naira. Pay agency fee, pay lawyer. Community, I paid 500,000 naira for development fee. Then I left the property. After I roofed it, put all the protectors and plaster everything, he sold it for 10 million naira. Please don't be afraid. So everybody that hear this news, you have me to post it
Let it go viral. A woman that I called my wife traveled and left her. I said that to her. Traveled and left her. Now take care of my house. This island, this thing, I'm the one that hung it. I'm the one that hung it. You don't know like this. This is the house. The compound, the house I built. I already roof it and do everything. They said they sold it for $10 million and the person agreed to buy the detail of property for $10 million. All these iron doors. I already fixed all of them before I left home. All these iron doors you are seeing here. They are these protectors. I already finished all these protectors. Don't be doing me, please. I will take that phone and break it. Look for somewhere and keep it. Do that to your house. Fast.